Charlem Bindika, comment est-ce que les militaires au niveau du Congo perçoivent-ils ce genre d'accords, les accords de défense, je dis bien? Moi, je pense que c'est une honte pour l'armée congolaise. J'espère qu'ils sont congolais comme moi, qu'ils ont quand même ce côté congolais comme moi, parce que moi, je suis congolais à 100%. J'ai que le Congo. Partout où je vais planter, je serai étranger. Qu'on me donne des papiers ou qu'on ne me les donne pas, je suis congolais, moi. Dans ma tête, dans mon esprit, dans ma culture, je suis congolais. Et c'est malheureux de voir des gens qui sont censés protéger la nation congolaise, qui sont censés défendre la constitution du Congo-Brazzaville, voir leur pays se faire brader comme ça pour des millions qui vont finir dans la poche d'une minorité des Congolais, des partisans de M. Sassou Nguesso, qui ne verront même pas la couleur, et assister à ça. Surtout les AET. Je dis bien les AET, surtout. Vous qui avez bénéficié de toute votre éducation avec l'argent des contribuables congolais, vous qui avez fait des grandes écoles, vous qui avez tout eu avec la nation congolaise, assister à ce genre d'arrangement sans rien faire, sincèrement, c'est plus qu'une malédiction. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça change, ce pays-là. Si vous ne le changez pas, vous bradez vos enfants, parce que nous ne sommes pas éternels. Imaginez-vous dans 30 ans, 40 ans, ce sont vos enfants qui seront esclaves des Rwandais. Si cette condition-là ne change pas, déjà les terres ont été vendues aux Chinois. Ce n'est pas les Rwandais les premiers. Les Chinois ont acheté des terres au Congo-Brazzaville. Donc nous aurons les Chinois. Nous avons déjà les Chinois sur place et nous aurons des Rwandais. Et les Congolais, c'est quoi qu'ils auront au final? Bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir encore choisi TLRTV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Charlem Bindika, un ancien enfant de troupe, promotion Paul Sita, numéro matricule 2101. Au centre de notre entretien, la défense et la sécurité au Congo-Brazzaville. Existe-t-il encore une armée au Congo-Brazzaville? Voilà ce sur quoi va tenter de nous renseigner notre invité, Charlem Bindika. Bonjour Charlem et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Perrin, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je suis disponible pour vous répondre à cette question qui est ultra importante pour les Congolais surtout, l'armée nationale congolaise. En tout cas, merci donc d'avoir disposé ce temps pour nous et pour nos téléspectateurs. Alors, dans un premier temps, il serait souhaitable, Charlène Bidika, de nous rappeler le rôle d'une armée pour un pays. Parce que, évidemment, au Congo, on constate bien que la police, hein, la gendarmerie, l'armée, finalement, tout le monde fait tout et on ne sait pas qui fait quoi exactement. C'est quoi le rôle d'une armée pour un pays? Le rôle de l'armée dans un pays, c'est, on va dire simplement pour que les Congolais comprennent bien, l'armée, c'est la colonne vertébrale d'un pays. L'armée est là pour protéger la constitution d'un pays, pour protéger la nation, pour protéger tous les territoires congolais. En temps normal, dans une république, l'armée défend le peuple, l'armée protège la nation, l'armée protège le territoire. Voilà, donc on peut retenir que l'armée a pour rôle de protéger la nation et la population, non pas de protéger un pouvoir. Non, non. L'armée, c'est déjà la discipline. L'armée, déjà, c'est l'ordre. L'armée, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Sans armée, c'est pas évident qu'un pays puisse être protégé, que le peuple soit protégé. C'est l'armée qui rassemble tout le monde. L'armée, c'est l'unité du pays. L'armée, c'est ce qui donne à une nation sa liberté et son épanouissement dans un pays démocratique, ce qui n'est Alors, pas le cas au Congo. comment est-elle donc structurée dans un pays? Ou sinon, comment serait-elle structurée dans un pays, une armée? D'abord, l'armée a politique. L'armée ne s'intéresse pas aux choses politiques. L'armée est là pour garantir la constitution. Pour que la constitution soit respectée, c'est l'armée qui est comme le gardien du temple dans un pays. C'est l'armée qui vient intervenir quand les lois d'un pays sont bafouées, quand la justice ne marche pas, quand la constitution est violée. C'est l'armée qui intervient pour rétablir l'ordre républicain.
Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Parce qu'au Congo, évidemment, comme vous l'avez dit, on a violé les constitutions, on a envoyé l'armée dans des expéditions contre les populations civiles. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? On voit l'armée derrière les hommes politiques. S'il faut définir le mot armée, il ne correspond pas à l'armée congolaise. Ce qu'il y a au Congo Brazzaville, c'est une milice, moi j'appelle ça. Parce qu'il faut respecter les. Parce que quand on dit que le Congo a une armée, c'est comme si on bafouait l'armée française, l'armée américaine ou les bonnes armées. Mais au Congo, ce n'est pas une armée, c'est une milice. Déjà par son recrutement, Mais parlons en général de son statut, en fait, c'est son cela. statut, il est déjà faussé dès la base. Parce qu'on prend généralement les gens sans éducation, les gens sans formation, on les met juste là dans l'armée avec une arme. Et on les fait défiler. Les gens pensent que défiler, c'est l'armée. Non. Faire la parade militaire, c'est pas l'armée. Ils sont pas formés. D'ailleurs, ils sont mal payés. Parce qu'au Congo, le combattant, celui qui intègre l'armée, est payé à 120 000 francs CFA, ce qui ne vaut rien. Il peut pas, normalement, il peut pas se construire déjà. Il pourra jamais envoyer des enfants à l'école avec cette somme. Le sergent, qui est censé encadrer les nouveaux, il est payé à 280 000 francs CFA s'il a 7 gosses. Donc, s'il n'a pas 7 gosses, un enfant équivaut à 5 000 francs. Donc, s'il n'a pas 7 gosses, faites un calcul rapide et vous verrez que son salaire est moins de pratiquement 220, 220, 220 000 francs CFA. Un Alors, colonel sans fonction ou un colonel avec sanction, il est pratiquement à 700 000 francs CFA. Ce qui fait que les colonels aujourd'hui au Congo ont du mal à boucler même les fins du mois. Et ça donne quoi? nombreux pensent que l'armée congolaise est beaucoup plus remplie par en fait des anciens miliciens qui finalement ont fait, disons, qui ont participé à des conflits, pourrait-on dire, entre ethnies ou bon, bref, mais des miliciens. Et depuis là, finalement, il n'y a plus des bons soldats formés, et ce qui fait d'ailleurs de cette armée l'impression que c'est une milice. Vous Et partagez oui, ce point de les vue? mauvais soldats ont découragé les bons soldats d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y C'est-à-dire. avait des bons soldats congolais avant que nous tombions dans cette situation politico-militaire au Congo-Brazzaville qui a endeuillé beaucoup de familles. Il y avait des bons soldats. Et aujourd'hui, les mauvais soldats sont tellement rentrés en masse qu'ils ont découragé les bons soldats. Donc aujourd'hui, c'est les miliciens, ceux qui ont fait la guerre de 97, les anciens miliciens, les anciens oisifs de le passé, qui sont accaparés les postes militaires et les postes administratifs. Parce qu'il y a des anciens maires au Congo qui ont été des anciens miliciens de M. Sassou Nguesso, qui sont devenus maires de la ville, d'autres sont devenus députés. Donc, c'est voilà pourquoi je disais que le Congo, c'est pas, n'a pas d'armée. Et c'est pas une république. C'est même pas une dictature. C'est pire qu'une dictature. Parce qu'il y a des Alors, dictatures qui se répètent. Charlène Bindika, êtes-vous informé, comme les autres Congolais, hein, qui nous ont fait parvenir cette information, que de plus en plus au Congo, si vous voyez un homme riche, c'est qu'il est soit politicien ou c'est un officier supérieur de l'armée, entre guillemets, l'armée congolaise? Comment Oui, expliquer cela? c'est dû parce que ça, c'est la culture que M. Sassou Nguesso a amenée en politique. Parce que si vous voyez à l'époque de Loulou, parce que le Congo ne commence pas par M. Sassou Nguesso, malheureusement beaucoup de Congolais le pensent, mais le Congo existe depuis les années 60. Il y a eu Loulou, il y a eu Massamba Déma. Vous voyez qu'à cette époque-là, les militaires n'étaient pas riches. C'était fonctionnaires de l'État, ils appliquaient la loi comme il fallait. Mais quand Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, il faut avouer que il a plus enrichi les militaires. Et c'est à son époque, c'est à son règne qu'on a vu beaucoup de militaires riches. Il y a même certains qui sont Dabira. Moi, j'ai connu Dabira, j'étais tout petit, il était déjà général, il était déjà riche. Dans les années 80, je crois, 80. Oui, on l'appelait d'ailleurs le plus jeune Donc, des voilà. généraux. Donc, c'est Sassou Nguesso, M. Sassou Nguesso, qui a mené cette culture de militariser le pays et d'enrichir les militaires qu'il choisissait lui-même, qu'il formait lui-même, qu'il obéissait. Alors donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas bon pour un militaire d'être beaucoup trop riche, mais pas non plus d'être beaucoup trop pauvre. Il faut être à la moyenne, c'est-à-dire avec les possibilités de subvenir à ses besoins. Exactement. Mais est-ce que, le métier d'arme est compatible avec les affaires? Non. Quand on est un officier supérieur, on ne doit pas faire des affaires.
Parce qu'on peut arriver c'est interdit. À travailler. C'est interdit par interdit. La loi. Parce que c'est interdit par la loi. Parce que ça peut arriver qu'on puisse trahir la nation. En disant, par exemple, si un officier congolais fait des affaires de Zaïre, ça peut créer certains arrangements qui peuvent faire que les sécurités soient balancées, soient vendues ailleurs. Donc le militaire n'est pas, il ne doit pas faire la politique, il ne doit pas faire des affaires. Mais au Congo, comme je dis, ce n'est pas une république le Congo. Le Congo, c'est une dictature abjecte. Alors, mais donc, qu'est-ce qui peut donc expliquer qu'au Congo, on retrouve les hommes d'affaires, des soldats, des officiers de l'armée? Parce que c'est, au Congo, il n'y a pas la loi. Au Congo, c'est un clan qui est au pouvoir, qui gère le pays comme un patrimoine familial. Moi, je ne considère pas le Congo comme un État aujourd'hui et l'armée congolaise comme une armée. Je considère une milice commandée par une fine minorité. Mais est-ce que pour autant, on peut jeter tout le monde dans le même panier? Il n'y a plus de bons soldats au Congo? Vous pensez qu'il n'y en a pas, qui tiennent quand même le coup, hein, qui respectent la déontologie? S'il y avait des bons soldats encore au Congo, ils n'auraient pas supporté 20, ça fait combien, 99, 25 ans déjà presque. 25 ans de dictature, 25 ans de ce régime. Pas possible. Il n'y a pas de bons soldats au Congo. Il n'y a plus de bons soldats. Mais eux, par contre, rejettent aussi le tort à vous qui êtes à l'extérieur. Ils se disent, bah oui, nous sommes à l'intérieur. Si on n'arrive pas, pourquoi vous ne faites rien, par exemple? Vous rejetez la responsabilité. Non, vous savez, quand on lutte pour la démocratie, pour un pays, pour son pays, on lutte dans tous les domaines, intérieur comme extérieur. Nous, on est à l'extérieur. On ne peut pas rentrer pour lutter. Nous, on est devenu le miroir du Congo. C'est nous qui montrons aux yeux de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, au Congo, le régime de Brazzaville pose problème à l'émancipation de la nation congolaise. C'est nous. Le combat, c'est... Mais de toute façon, dans le monde entier, tous ceux qui luttent, généralement, ils sont à l'étranger. C'est eux qui informent le pays. C'est eux qui deviennent le miroir de ce pays, c'est-à-dire regardez comment ça doit fonctionner. C'est eux qui éveillent les consciences. Lénine n'a pas été en Union soviétique pendant la révolution russe. Il était en Suisse. Je peux vous citer. Ouais, voilà, comme disait d'ailleurs le général de Gaulle, que la République est à l'extérieur, donc la résistance se mène à l'extérieur. Exactement. C'est ça. De Gaulle était à Londres, toute la communauté en France ici. Il y en a plein qui ont lutté à l'extérieur et qui sont arrivés au pouvoir, qui ont changé leur pays. Nous, c'est ce que nous faisons. Mais ce qui se passe au Congo, cette armée, c'est une milice. Nous parlions tout à l'heure des soldats, des militaires qui sont devenus des hommes d'affaires, qui constituent d'ailleurs un danger. Vous l'avez démontré, lorsqu'un soldat est beaucoup riche et dans les affaires, il est capable d'ailleurs de trahir la nation. Mais il y a aussi des soldats qui ont juré fidélité aux hommes politiques. Je ne sais pas si vous avez suivi, comme tout le monde, les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Un général qui avait été promu, mais qui a vraiment festoyé, et on l'a vu avec des champagnes, avec son effigie, des pagnes et autres, jusqu'à aller finalement chez le président de la République, je ne sais pas pour quelle raison. Comment est-ce que vous avez perçu ce message, par exemple? C'est comme quand, chez nous on dit, lorsque tout le monde devient fou, la folie devient une loi. Oui, c'est un peu ça en fait. Là-bas, c'est tout le monde qui est devenu fou et que tout le monde fait. Parce que dans un état normal, dans un pays normal, dans un pays qui a une histoire, dans un pays qui a des lois, depuis quand un général fait ses galants en public dans les médias du pays? J'habite un pays comme la France qui a l'une des plus grandes armées au monde, je crois 5e ou 6e armée au monde. Ça fait plus de 20 ans que j'habite en France. Je n'ai jamais vu une nomination de général à la télé ni à la radio. Ça se passe dans l'administration, on est nommé par décret présidentiel, ça s'écrit dans le journal de l'armée, et ça se passe dans les casernes, et voilà. Mais c'est pas devant la nation entière comme si on avait gagné une Coupe du Monde. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Et c'est ça qui est un danger pour le Congo. On est devenu ignorant au Congo-Brazzaville. Et quand le peuple arrive à accepter ce genre d'image, ce genre de spectacle, c'est une honte pour tous les Congolais, et c'est une honte d'abord pour ce régime. Parce que même au Kenya, même au Malawi, qui est un pays pauvre, un général, ça ne se fait pas. Un galant de général, ça ne se fait pas. C'est une nomination. Mais est-ce qu'on peut interpréter... C'est déjà une responsabilité quand on vous nomme général.
Donc, vous êtes beaucoup plus conscient du travail qui vous attend. On n'a pas le temps de fêter. Mais est-ce qu'on peut aussi interpréter cette attitude comme un message qu'on envoie vers la population pour dire oui. Attention, oui. Si vous touchez à notre pouvoir, moi je suis là pour. Voilà. Effectivement, c'est un message de dire au peuple que tout se passera par la violence. Si vous voulez ce pouvoir, il faut que vous puissiez prendre les armes pour lutter contre nous. Nous, on avance. Nous, on est en forme, les militaires, nous, on a les canons, on a les armes, on contrôle les casernes. Donc, si vous voulez ce pouvoir, ça doit se passer par l'armée. Mais le monde a beaucoup évolué. Le monde ne fonctionne plus en termes de militaires. Le monde est beaucoup plus économique. Eux ne le savent pas, peut-être. Que le monde n'est plus dans... Même aujourd'hui, la Russie de Poutine, elle est beaucoup économique. Le fait qu'aujourd'hui, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça se passe sur le plan, beaucoup plus sur le plan économique que sur le plan militaire. Les accords donc, sont que politiques. Aujourd'hui, non, je ne vous donne pas le pétrole, sinon on fait ceci. Ah, si vous ne donnez pas le pétrole, on fera ceci. Voilà. Mais eux, ils sont dans le Moyen-Âge. C'est un pouvoir primitif qui pense que tout doit passer par la violence. Ils sont arrivés par la violence au pouvoir avec l'aide des Angolais, parce que ce n'est pas eux qui ont gagné la guerre, c'est l'aide des Angolais et des Français. Ils sont arrivés par la violence au pouvoir et ils veulent remettre ce pouvoir-là par la violence. Alors que nous parlons donc des soldats qui sont devenus de plus en plus riches au Congo, parce que c'est finalement eux qui tiennent les affaires à tous les niveaux, on les voit. Peut-être qu'on n'est pas là pour les citer non plus, mais ils savent de quoi nous parlons. Dans le même temps, il y a aussi des sous-officiers, des hommes de troupes, hein, comme vous les appelez, qui sont devenus de plus en plus pauvres et parfois même incapables de tenir les deux bouts de mois, c'est-à-dire leur salaire ne permet même pas de survivre, j'allais dire. Exactement. Alors, s'ils survivent, c'est très difficile. Comment expliquer cela? Mais le problème, c'est que je vais vous donner un exemple simple. Voilà pourquoi je disais que ce n'était pas une armée, c'est une milice. Déjà au Congo, un sous-officier pour aller en stage, il doit payer de sa poche. Donc, il doit remettre 200 000 francs à son chef pour qu'il inscrive en stage. Vous voyez déjà là, ce qui n'est pas normal. Quand ils arrivent en stage, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de dotation. C'est-à-dire, on leur donne que le lit et le matelas. Les draps, ils ramènent leurs draps de la maison. Les assiettes, ils ramènent les assiettes de la maison. Fourchettes, cuillères également. Et ils n'ont qu'un seul repas par jour. C'est-à-dire, un bol de riz plus une cuisse de poulet grillé. Ce qui provoque les hémorroïdes, les diarrhées dans les casernes. Et la tenue. Donc, vous imaginez que ce n'est pas des militaires. Alors, si j'ai bien compris, les soldats ou les militaires congolais, entre guillemets, qui vont en formation, oui, ne sont pas sélectionnés par leur hiérarchie, c'est-à-dire leur corps. Voilà. Et donc, c'est eux-mêmes qui payent. Exactement. Aller en formation. Oui. Et ils prennent également en charge tout ce qui va. Uniforme et tout ce que vous avez cité, c'est cela. Exactement. Donc, soit vous payez, ou vous avez un beau frère bien placé qui met le nom sur la liste de stage, ou vous avez un oncle, comme ça se passe, mais il n'y a aucune hiérarchie, il n'y a aucun. Oui, si mais quand on a un soldat comme celui-là qui se forme par ses propres fonds, de quoi sera-t-il donc redevable? Ce sera un incompétent, ce ne sera pas un soldat, il vient pour les grades. Même quand ils font des stages, il faut payer pour avoir le diplôme à la fin. Sinon, si vous ne payez pas, l'instructeur ne vous donne pas le diplôme. Il dira que nul. Donc, comment on peut former quelqu'un qui vient? Avant, comment ça se passait? Avant, ça se passait, c'est que quand vous êtes dans une caserne et que vous êtes meilleur, vous vous comportez. Il y avait une notation déjà de comportement, de travail bien fait, de l'application, le maniement des armes de la caserne déjà. Et par rapport à ce statut que vous avez, le bon comportement, la discipline militaire, on vous mettait en stage quelques années après, sans payer quoi que ce soit. Et quand vous arrivez, vous avez une dotation. Moi, j'ai une dotation à l'intendance. Je suis allé chercher ma dotation à l'intendance à l'époque. On m'a donné tenue militaire, deux tenues militaires, je crois, rondières, chaussettes, tout, casque, béret, machin. J'ai eu à l'intendance à mon époque. Mais donc, vous avez dit, maintenant là, maintenant où nous parlons, les soldats doivent acheter les uniformes eux-mêmes, c'est oui. Ça. Les rangers, ceux qui ont des parents, moi j'habite en France, ceux qui ont des parents militaires au Congo, qui habitent en France au moins, c'est sûr et certain, si vous leur posez la question, vous diront qu'on les appelle souvent pour acheter des tenues militaires, qu'ils doivent envoyer là-bas, pour que les gens portent. Ce que je dis, ce n'est pas un mensonge. Si vous trouvez quelqu'un qui peut me contredire,
je suis prêt à revenir à votre émission et débattre avec lui, avec preuve à l'appui. C'est une armée mal payée et mal structurée. Donc, quand quelqu'un va en stage, il n'est pas formé. Parce qu'il sait qu'il court, qu'il fasse la marche, qu'il fasse des examens, qu'il soit nul, il aura son diplôme s'il a l'argent. Donc, on ne peut pas dire que c'est un militaire. Il n'a aucune compétence. Harlem Bindika, je sais qu'il fut des moments où lorsqu'on faisait des recrutements à l'armée, hein, il y avait des quotas qu'on attribuait à chaque département. Lorsqu'on faisait, par exemple, s'il fallait recruter 100 militaires, s'il y a 10 départements, donc on donnait des quotas. Chaque département pouvait avoir, par exemple, 10 jeunes à proposer. Est-ce que ça se passe toujours comme ça ou bien ça a changé? Comment se font les recrutements dans l'armée? Non, il n'y a qu'à voir la forme hiérarchique de l'armée, vous allez comprendre que c'est un état tribal. C'est l'ethnie qui domine actuellement au Congo. Vous prenez le ministre de la Défense, il est de la cuvette. Vous prenez le chef d'état-major, il est de la cuvette. Vous prenez la police, la cuvette. Vous prenez la gendarmerie, la cuvette. Donc ça veut tout dire. Vous allez pas me dire, vous allez sûrement me dire, oui, mais s'ils sont compétents. Mais oui, mais si c'est en compétence, c'est possible, non, qu'on soit... Non, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que commander, c'est aussi communiquer. Quand on commande un pays comme le Congo qui a connu des guerres plus ou moins tribales, on doit avoir une certaine manière de vivre dans ce pays, de commander ce pays-là. On ne peut pas, quel que soit, je ne mets pas leur diplôme en doute. Je peux les mettre en doute, parce que je connais ces officiers. Je peux mettre même leur formation en doute. Mais je sais que ces gens-là, ils sont ministres, ils sont dans les postes clés de la République parce que c'est la tribu qui commande en ce moment. En ce moment, nous sommes dans un état ethnique qui s'assoit sous l'ethnie, sous la région, pour contrôler le reste du pays. Donc, quand je vois ça, moi, ça m'échappe déjà. Et c'est ce qui se passe un peu partout. Même si vous regardez au ministère de l'économie, c'est pareil. Un peu partout au Congo. C'est-à-dire... 5 millions de Congolais acceptent que leur pays soit dirigé par une seule région. À tous les postes clés dans le pays. Qu'est-ce qui peut justifier cela lorsqu'on sait que le Congo a quand même des écoles de formation qui... Non, il n'y a pas des écoles de formation. De formation militaire, il y a quand même... Mais nous avons une école militaire... Makola? Non, je parle de l'école générale éclair. Oui, avant, oui. Moi, je suis passé par l'école générale éclair. Voilà pourquoi je suis résistant. Parce que ce que j'ai appris là-bas ne me permet pas d'aller monnayer ma dignité contre l'argent. Ce n'est pas possible. Parmi ces soldats ou ces officiers que vous venez de désigner tout à l'heure, là, qui occupent les hauts rangs, y a-t-il pas des AET, vous pensez? Oui, il y en a. Mais vous savez qu'on est, l'école des cadets a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés là-dedans. Il y a beaucoup de générations à l'école des cadets. Mais si on est rentré 4000 depuis que l'école a été créée, dans les 4000, il doit y avoir des corrompus aussi. On devait avoir quand même la... Évidemment, nous savons que, jadis, hein, les AET faisaient quand même la fierté de l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. On peut aussi penser que les AET ont trahi le Congo, alors. Il y a eu trahison, effectivement, au niveau de certains AET, pas tous, mais beaucoup. Pas une minorité a trahi, comme c'est une minorité qui est riche. Elle a trahi, parce que c'est comme ça, dans chaque famille, dans chaque société, il y a toujours des traîtres. Et c'est malheureux, parce que nous avons bénéficié d'un confort extraordinaire pour notre émancipation intellectuelle, pour le patriotisme aussi. Mais malheureusement, on ne peut pas tous avoir ce même... rendement à la fin de la formation au niveau de l'école des cadets, il y a eu des traîtres. Aujourd'hui, ils ont une association, des AET que moi je condamne, que moi je combats, parce que c'est une association qui est tenue par des AET qui sont du pouvoir, qui sont très riches, et leur seule alternative qu'ils font sur l'association, leur seule œuvre qu'ils font, c'est aider les AET retraités en leur payant les soins médicaux, en leur donnant un peu d'argent pour boire la bière ou pour manger le poisson. C'est tout. Qu'est-ce qui peut justifier, évidemment, cette défaillance, il faut l'appeler comme ça? Les AET étaient supposés avoir quand même une, comme qui dirait, l'éthique, et puis vous ne prêtez pas, vous n'avez pas des engagements, les serments que vous prêtez, par exemple, pour ne jamais trahir la République, ça n'existe pas. Nous avons, dans notre éducation, dans notre parcours militaire, on nous a appris tout ça, c'est la nation d'abord.
Le Congo d'abord. On a tout appris. On n'est pas à l'école des cadets, c'est rare de voir les gens tribalistes. Mais aujourd'hui, certains haïtiens, il y a eu la guerre au Congo-Brazzaville qui a pris position. Il y a aussi beaucoup de haïtiens qui sont morts pendant la guerre du Congo-Brazzaville, qui ont été tués au front, comme en captivité, où ils ont été attrapés, ils ont été abattus par des corbeaux, par des ninjas, par quoi que ce soit. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au Congo, qui ont fait que certains haïtiens ont pris position du mauvais côté et qui profitent de ce régime et qui créent des associations des haïtiens juste pour affaiblir la conscience des haïtiens. Moukoko, c'est un haïtien. Le fait que Moukoko soit en prison pendant 6 ans, que ces haïtiens-là qui prétendent avoir une association qui font des fêtes extraordinaires au Congo-Brazzaville, qui se réunissent pratiquement un mois ou chaque 6 mois, en faisant des t-shirts, c'est-à-dire ils ont quand même un gros lobby. Mais ce lobby-là fait quoi en réalité au Congo-Brazzaville? Est-ce qu'il vous arrive d'être en contact avec eux, de communiquer avec eux pour chercher à comprendre que pensent-ils évidemment de leur ancien qui est le général Jean-Marie Michel Moukoko? Oui, mais ils sont, pour certains, quand je disais au téléphone, quand on parle de ce sujet, c'est un peu un sujet tabou. Ceux qui sont courageux disent que c'est pas normal qu'ils soient en prison, mais c'est pas nous qui gérons ça. C'est un problème politique qui nous dépasse tous, mais nous veillons à ce qu'ils soient en bonne santé en prison, qu'ils soient bien gardés. Nous essayons de faire le maximum pour qu'ils soient respectés, qu'ils soient. Moi, je pense que ils ont peur parce que la dictature de M. Sassou Nguesso, dès le départ, n'applique que la violence. C'est-à-dire ce qui est même normal, ce qu'on peut régler par le dialogue, les échanges. Oui, mais il y a quand même un souci, Charlem Bindika. Les soldats qui ont peur de prendre leurs responsabilités, qui sont conscients que ce qui arrive aux uns leur arrivera aussi. Ça n'arrive pas seulement aux autres. Alors, un soldat qui ne peut pas prendre ses responsabilités, celui-là, je me dis, s'il a peur, je ne sais pas s'il faut dire, il faut parler en termes de résignation. Est-ce qu'on peut encore l'appeler soldat, celui-là? Non, mais oui, c'est ce que j'ai dit. C'est venu progressivement. C'est-à-dire la corruption et l'affaiblissement des haïtiens a été fait progressivement. Vous savez, quand une maladie vous ronge petit à petit, c'est celle-là qui est plus difficile à soigner. Ça n'a pas été fait brusquement, ça a été fait progressivement. Vous savez que tous les enfants des cadres du régime sont passés par l'école des cadets. Vous savez lorsqu'on fréquentait l'école des cadets, l'école militaire, oui. La finalité, c'était quoi? Devenir militaire? La finalité, c'est vous qui la choisissez. Quand vous avez le bac, soit vous continuez dans l'armée. Vous avez ce plein droit de continuer dans l'armée, à l'académie militaire, pour revenir sous-lieutenant ou aspirant. Ou aller à Moscou, dans une école de militaire à Moscou, un peu partout dans le monde. Ça dépend quand on... Mais il y en a aussi qui choisissent. Sinon faire toute autre chose après le bac. Il y en a qui choisissent l'université, qui font le droit. Je vous donne un exemple. Le tribunal, les magistrats au Congo sont des haïtiens, il y a des haïtiens magistrats au Congo-Brazzaville, qui ont fait droit, qui sont docteurs en droit, qui sont magistrats au Congo-Brazzaville. Il y en a qui sont médecins, même ici en France, il y a des haïtiens qui sont médecins, qui ont quitté l'école des cadets après le bac, qui sont partis faire médecine et qui sont restés médecins. Bongo Noara était un haïtien, il n'a jamais été militaire. Il y en a plein, même dans les administrations en France, ici, à l'étranger, j'en connais, jusqu'aux États-Unis. Il y a des haïtiens qui sont, je connais un haïtien, qui est dans un domaine de recherche aux États-Unis, qui a quitté l'école des cadets, qui est allé à Boston, qui a fait les... Alors, mais donc, nous disions tout à l'heure, les AET congolais, que sont-ils devenus finalement? Des soldats en carton, si ça fait 25 ans. Si ça fait 25 ans que nous sommes sous cette dictature-là, je dirais peut-être que l'école des cadets a perdu son âme. Ça, je dis clairement avec mon cœur de patriote congolais. Ça fait honte de voir des gens qui ont eu cette chance de vivre dans un environnement sain, où il y avait toutes les régions du Congo, toutes les cultures du Congo. Parce que moi, dans ma promotion, il y a toutes les régions du Congo, Brazzaville. Moi, j'ai connu certaines ethnies qu'on rentre à l'école des cadets. C'est à l'école des cadets que j'apprends qu'il y avait des métiers au Congo, Brazzaville, qui sont congolais comme moi. Il y a des Njombo, il y a des Njem, il y a des Bakwele, c'est un ensemble, pas possible. Il y a des Bateke, et j'ai vécu avec ces gens-là, avec un amour
irréprochable, sans distinction. Aujourd'hui, si vous me dites que je suis tribaliste, je ne peux pas l'être parce que je ne sais pas ce qu'on appelle tribaliste. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des amis aujourd'hui qui sont de la cuvette avec qui je parle très bien. Qui me prennent pour alors, la... mais donc, quelle est donc la condition actuellement l'armée au Congo? La condition que Sassou Nguesso a réussi pour affaiblir l'armée et les AET, c'est l'argent. Il a retiré l'argent à tout le monde et lui les partage au plus docile. Mais quand on a une femme, quand on a une famille, quand vous êtes dans une famille où il n'y a que vous qui avez réussi, c'est vous qui payez, qui aidez votre maman, votre papa à survivre au Congo-Brazzaville. Vous n'allez pas gâcher ça en allant affronter Sassou Nguesso sans prendre des précautions. Mais je pense que s'il y a l'étincelle au Congo-Brazzaville, si un jour le peuple congolais prend conscience, sort de la rue pour revendiquer sa liberté, je pense que les AET seront les premiers à aller défendre la démocratie. Vous savez, mon coco, s'il est sorti de là où il était à son poste à l'étranger pour venir au Congo pour sa candidature, c'est aussi un risque qu'il prenait en tant que AET. C'est qu'à un moment donné, son patriotisme a parlé plus fort que ce que le PC lui avait donné. Vous voyez ce que je dis? Il paye, il est en prison aujourd'hui, mais je pense qu'il a la tête haute en prison. Il a fait ce qu'il voulait. Peut-être qu'il a baigné dans ce pouvoir à un moment donné, il a travaillé pour ce pouvoir à un moment donné, comme tout le monde. Ce qui n'est pas interdit d'ailleurs, parce qu'après, on a au moins ses opinions à défendre. Oui. Ce n'est pas interdit, c'est comme aujourd'hui. C'est pour, le problème du Congo, c'est qu'au Congo, les gens n'ont pas... On a bousillé l'école, on a bousillé l'éducation. Donc, les gens confondent un peu. Les gens pensent que quand tu as servi un gouvernement, par exemple... Et tu ne peux plus contredire ce gouvernement-là. C'est une erreur, parce que dans le monde entier, en général, ceux qui viennent remplacer la dictature, c'est eux-mêmes qui étaient dans la dictature. Le général Al-Sisi, il a été général pendant Moubarak. Il est président de la Syrie et il est président de l'Égypte aujourd'hui. Mais les Congolais n'ont pas... On a vu aussi Lorenzo qui est en Angola. Il a travaillé... Oui, il a travaillé. Donc, les gens pensent que... Mais tu es avec Sassou Nguesso, donc tu ne peux pas... Mais non, c'est n'importe quoi. C'est comme il y a un dictateur qui dit, quand tu cherches ton pire ennemi, il faut le garder à la droite. Les changements viennent que les gens qui sont proches du pouvoir, qui en ont à un moment donné marre de ce système, qui finissent par sortir. Mais va... C'est ce que je dis, Sassou Nguesso a réussi à aboutir le peuple congolais. À faire croire au peuple congolais que ceux qui mangent avec moi n'ont pas le droit de me contredire. Et que s'ils me contredisent, c'est juste parce que je ne leur donne pas de l'argent. C'est le message qui fait passer aux Congolais. À ce moment-là, le Congolais devient hésitant. Ah, pourquoi je vais me battre pour lui? Non, Moukoko, c'était notre. Moukoko, c'est. Moi, je dis clairement, Moukoko, c'est un modèle. Moukoko est né à Makoua. Moukoko est venu à l'école de cadets par concours, pas parce qu'il a fait le concours à l'époque où il y avait les Blancs qui corrigeaient les copies. Il a eu son concours brillamment. Il est venu à l'école de cadets, il a fait un parcours brillant. Il a fait toutes les écoles militaires de Saint-Cyr jusqu'aux États-Unis sans qu'on lui reproche quelque chose. C'est un général dans tous les pays au monde, il aurait été général. Et donc, on se retrouve avec un général comme ça, en prison, c'est une grande perte pour le Congo-Brazzaville. Un grand intellectuel de surpoids, comme ça, en prison, c'est un savoir que nous gaspillons. Il aurait beaucoup apporté au Congo-Brazzaville en étant libre, en étant posé à leur public, au ministre, au premier ministre. Il aurait beaucoup apporté à ce pays-là. Parce que c'est alors, ce que moi, je ne comprends pas avec les militaires, j'allais dire, hein, mais aussi les policiers, les gendarmes au Congo, qui finalement acceptent d'accomplir les missions qui sont en fait en violation même des lois ou de la Constitution, qui vont parfois bastonner les travailleurs qui réclament leurs droits sociaux. Est-ce qu'ils ont parfois conscience qu'eux aussi, à un moment donné, ils iront à la retraite et qu'après, ils seront aussi traités de la même manière? La fois dernière, je le dis pourquoi, parce que nous avons suivi également, toujours sur les réseaux sociaux, un ancien commandant de l'armée congolaise à la retraite, qui avait été vraiment battu à mort, simplement parce que il réclamait ses droits sociaux, c'est-à-dire son argent de la retraite. On a vu circuler cette information-là, cette vidéo. Et ceux qui le font, c'est lesquels? Ce sont des policiers qui sont en service maintenant là. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Au fait, l'ignorance est telle qu'au Congo, on ne sait même pas pourquoi on vit. Vous savez, après, il y a une chose. On se pose la question, qu'est-ce que ces policiers ont appris à l'école?
Qu'est-ce que ces soldats partent apprendre? Non, les Vikings ne passent pas par l'école. Ils ne passent pas par l'école, ils sont là par le passe-droit. L'oncle l'a mis là pour qu'il puisse gagner son pain, pour qu'il puisse louer sa maison dans un coin paumé de Brazzaville. C'est tout. Les gens, comment on dit ça? Vous savez, quand on vit dans une société où il n'y a pas beaucoup d'instruction, on finit par croire que ce qu'on fait, c'est bien. Ou on travaille pour la nation. Tout n'est qu'éducation. Quand on enlève le savoir à quelqu'un, vous savez qu'il y a une chose qui évolue lentement au monde, c'est la mentalité. Quand on a une mentalité de défaitiste, quand on vous a inculqué des choses pour les effacer du cerveau, ça prend pratiquement beaucoup de temps. Aujourd'hui, les Congolais, on les a fait peur par la violence. Ils ont du mal à recycler leur cerveau. Mais non, mais c'est par la violence qu'on va acquérir notre liberté avec ces gens-là. Regardez tout ce que le gouvernement organise. Vous parlez que des militaires, mais je vous donne un exemple social, un phénomène social qu'on voit au Congo actuellement. À chaque fois qu'il y a des tensions, on organise une concertation. Là, il n'y a pas longtemps, ils étaient à Rwanda pour aller se concerter, mais ça donne quoi? Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas des militaires, ça, c'est des hommes intellectuels, des soi-disant supposés être intellectuels, qui vont aller, et on les balade comme ça chaque fois. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on leur a dit, allons se concerter à Rwanda, ils sont partis. On leur a donné à manger, on leur a donné les perdiens, et aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? Avant, c'était à Madingou, et on les balade comme ça. En fait, c'est devenu un régime, c'est le côté où je dis que M. Sassou Nguesso, il n'aime pas les gens, il n'aime pas le Congo. Parce que l'État congolais tel que moi, je fais mon expertise en tant que militaire, nous allons passer encore par des formes de violence pour instaurer la démocratie dans ce pays-là. Parce qu'il y a beaucoup d'abrutis. Ils ont fait un processus d'abrutissement de masse à une vitesse extraordinaire. Aujourd'hui, un jeune Congolais, il veut juste boire de l'alcool, fumer, aller danser avec des femmes et il est content. Sa journée est finie. Même quand il sait que derrière, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, un officier à la retraite qui se fait tabasser par des policiers, par des sous-officiers, qui savent qu'eux-mêmes, demain, ils seront à la retraite, ils auront les mêmes problèmes. Vous voyez? C'est-à-dire, ils sont incapables de se projeter, ces gens-là. Ils sont incapables de se projeter. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. C'est un danger que tout homme doit éviter. Nous sommes dans l'ignorance qui a atteint le paroxysme. Lorsque je vous écoute, vous suivre, c'est finalement, on peut dire qu'au Congo, il n'y a plus une armée. Ça n'existe plus, c'est une milice. C'est comme ça qu'on peut retenir cela. Parce que je vis dans un pays où il y a une armée, donc je sais faire la différence. Peut-être qu'ils ne savent pas le faire, moi, je sais faire la différence d'une armée et une milice. Pourtant, dans le même temps, on peut assister aux accords entre le Congo et le Rwanda. Nous aurons appris qu'il y a eu des accords comme ça, de défense entre le Congo et le Rwanda. Vous en êtes informé? Oui, mais ces accords aussi sont non seulement économiques, mais aussi militaires. Parce que je vois très mal Kagame venir acheter les terres sans garantir à Sassou Nguesso de l'aider s'il y a un mouvement populaire. Je pense que ces accords-là cachent aussi des accords militaires. Pour la simple raison, c'est que si Sassou Nguesso quitte le pouvoir de façon brutale, nous allons récupérer nos terres. Parce que c'est pas avec le peuple congolais qu'il a signé les accords. Il a signé des accords avec un gouvernement illégal. Que les Congolais ne le connaissent pas dans leur évidemment, sens. Puisque vous êtes en train de le rappeler, alors les accords qui portent sur la concession, bien sûr, des 12 000 hectares des terres arables du Congo au Rwanda, oui, ont été finalement signés sous la violation d'ailleurs, en violation, allais-je dire, de la Constitution congolaise, notamment l'article 219. Est-ce que c'est ce qui justifie en aval un accord de défense, d'assistance mutuelle, c'est-à-dire si mon pouvoir est menacé, tu viens me défendre. Et toi aussi, si ton pouvoir est menacé, c'est ce qu'ils se sont dit alors? Mais c'est ce qu'ils se sont dit. C'est effectivement ce qu'ils ont dit. C'est ce que les Français font avec le régime de Sassou Nguesso. On prend le pétrole, on te garantit telle chose. Oui, je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, d'abord, pourquoi vendre la terre des Congolais? Si Sassou Nguesso aimait ce pays, si ce gouvernement aimait le Congo, il fallait former des agriculteurs congolais. Il fallait créer des banques au Congo-Brazzaville qui vont faire des prêts aux agriculteurs. Parce que rien n'empêche un Congolais de faire l'agriculture. Rien ne nous empêche. Il faut juste leur former à ça. Et pour les Rwandais qui viennent faire l'agriculture chez nous, là, qui ils vendent les terres, là, c'est noir comme nous. Ils sont noirs comme nous, ils ne sont pas blancs. Oui, le paradoxe, c'est, comme nous faisons entendre le dire d'ailleurs, le paradoxe, c'est que pendant la campagne présidentielle,
on l'a entendu promettre la plantation des safou et des kwanga, comme il disait lui-même. Oui. Et Bembadoula, mais curieusement, au lieu de former les Congolais, ben, ce qu'il sait faire maintenant, c'est de vendre ses terres. Non, mais le problème, c'est qu'il brame tout. Il fallait former les Congolais, il fallait que les Congolais fassent l'agriculture qu'ils veulent et les vendre au Rwanda, c'est possible. Que donner de l'argent à des banques pour faire des prêts aux agriculteurs congolais, leur prêter du matériel agricole et ils planter leurs récoltes et les vendre au Rwanda. Ça aurait créé des emplois aux Congolais, ça aurait créé de l'économie au Congo. Mais les donner nos terres aux étrangers, c'est nous rendre, ce qui veut dire que les Rwandais vont travailler chez nous, ils vont gagner de l'argent chez nous et ils vont nourrir les Congolais dans leur propre pays. Vous voyez un peu le paradoxe? Chez nous, on mais, nourrit. Mais comment est-ce mais que on les militaires, peuple, moi je pense. Oui, et Charlem Bindika, comment est-ce que les militaires au niveau du Congo perçoivent-ils ce genre d'accords, les accords de défense, je dis bien? Moi, je pense que c'est une honte pour l'armée congolaise. J'espère qu'ils sont congolais comme moi. Qu'ils ont quand même ce côté congolais comme moi, parce que moi, je suis congolais à 100%. J'ai que le Congo. Partout où je vais planter, je serai étranger. Qu'on me donne des papiers ou qu'on ne me les donne pas, je suis congolais, moi. Dans ma tête, dans mon esprit, dans ma culture, je suis congolais. Et c'est malheureux de voir des gens qui sont censés protéger la nation congolaise, qui sont censés défendre la constitution du Congo-Brazzaville, voir leur pays se faire brader comme ça pour des millions qui vont finir dans la poche d'une minorité des Congolais, des partisans de M. Sassou Nguesso, qui ne verront même pas la couleur, et assister à ça, surtout les AET. Je dis bien les AET, surtout. Vous qui avez bénéficié de toute votre éducation avec l'argent des contribuables congolais, vous qui avez fait des grandes écoles, vous qui avez tout eu avec la nation congolaise, assister à ce genre d'arrangement sans rien faire, sincèrement, c'est plus qu'une malédiction. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça change, ce pays-là. Si vous ne le changez pas, vous bradez vos enfants, parce que nous ne sommes pas éternels. Imaginez-vous dans 30 ans, 40 ans, ce sont vos enfants qui seront esclaves des Rwandais. Si cette condition-là ne change pas, déjà les terres ont été vendues aux Chinois, ce n'est pas les Rwandais les premiers. Les Chinois ont acheté des terres au Congo, mon avis. Donc nous aurons les Chinois, nous avons déjà les Chinois sur place, et nous aurons des Rwandais. Et les Congolais, c'est quoi qu'ils auront au final? Vous imaginez? Donc nos femmes, nos sœurs, nos jeunes frères iront faire la courbette dans les concessions chinoises et rwandaises pour avoir le maïs, pour avoir le manioc, pour avoir ceci. Nous allons créer un État prostitué. Nous allons créer... Quel État nous allons créer? Je vous donne un exemple. L'Ukraine en guerre, ça a été cassé de l'Ukraine en ce moment. Mais je pense que si les Russes se retirent de l'Ukraine, les Ukrainiens vont recréer leur nation. Parce qu'ils ont des intellectuels, ils ont des architectes, ils ont tout. Parce qu'ils ont des écoles qui forment les gens à faire des métiers qui font qu'on puisse bâtir des maisons, on puisse construire des routes, on puisse construire des écoles. Mais nous, on n'a pas ça. Nous-mêmes, on n'a même pas des ingénieurs qui peuvent faire des routes au Congo-Brazzaville. Parce que c'est un processus qu'on nous a inculqué pour nous aboutir. Moi, je dis bien que c'est fait exprès. Sassou Nguesso n'aime pas le pays. Ces gens n'aiment pas le pays. C'est des pervers, c'est des gens festifs qui passent leur temps à faire la joie, à danser sans compter à l'avenir. Ils ne veulent même pas que leur nom rentre dans l'histoire du Congo. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis un truc. Si M. Sassou Nguesso quitte le pouvoir, je pense que personne ne parlera de lui. Ce sera un vide après. Vous voyez Mobutu? Mobutu a commandé pendant 32 ans, mais le monde entier connaît Lumumba qui a vécu qu'un an. Un an, Lumumba a traversé les frontières du monde entier. Lui qui a fait 32 ans, on a du mal même à citer son nom. Ça sera pareil au Congo-Brazzaville. Après eux, on ne parlera plus jamais de leur nom, ce sera une honte pour la nation congolaise. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est M. Sassou seul qui est responsable. Tous ses enfants sont dedans. Tous ses enfants sont députés. Tous ses enfants sont hommes d'affaires. Tous ces neveux sont hommes d'affaires. Toute la nation congolaise est prise en otage par ces gens. Et il y a une armée qui est là, qui est formée des anciens enfants de troupes, des gens qui ont été nourris, logés, véhiculés par la nation congolaise, qui sont assis, et une minorité qui exploite les autres AET qui sont en difficulté. Ils ont créé la situation. Mais est-ce que tu penses que on peut reformer l'armée congolaise? Oui. Pendant que Sassou Nguesso est encore là.
Non, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, nous, au Congo, on est un pays arriéré. Si vous voyez dans les autres pays, c'est les civils qui commandent. Dans les pays où il y a un semblant de processus démocratique, voilà, oui. Ça se passe bien. Au Sénégal, c'est un civil qui est là-bas. Vous voyez un peu le Sénégal et le Congo Brazzaville. Moi, j'étais au Sénégal en 2001. Et le Sénégal de maintenant, ça a carrément changé. Le Sénégal, c'est... Il y a beaucoup de Congolais au Sénégal qui travaillent, qui gagnent bien leur vie, ceux qui ont étudié. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Au Congo, vous avez un gars qui a fait informatique, il ne trouve pas de boulot. Au Sénégal, il y a des Congolais qui sont allés d'abord faire informatique ou médecine, qui sont restés au Sénégal, qui sont bien payés, qui vivent bien leur vie. Mais est-ce que le Sénégal est comparable au Congo sur le plan sous-sol ou richesse? Charlem Bindika, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, ça sera probablement la dernière question. Nous savons qu'à un moment donné, les années 2015, les casernes militaires avaient été dégarnies, c'est-à-dire on avait déplacé toutes les armes qu'il y avait dans les casernes. Et on avait aussi désarmé tous les soldats, tous les militaires, allais-je dire, sauf ceux qui étaient autour de Sassou Nguesso. Oui, ça continue. Aujourd'hui, les casernes militaires n'ont pas des armes. S'ils ont des armes, ils n'ont pas de... S'ils ont une poudrière, ils n'ont pas des munitions. Des munitions. Mais c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui expliquerait? C'est dû à la peur. Quand on commande mal un pays, on est toujours sur le qui-vive. Vous ne croyez pas que M. Sassou Nguesso et sa clique dorment bien. Ils sont toujours sur le qui-vive parce qu'ils savent que le pays ne va pas bien. Ils savent que c'est du rafistolage qu'ils font. Ils savent ça. Donc, ils prennent des précautions. Il faut leur donner des armes. Ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'ils ont récupéré, ils ont dégarni toutes les casernes, ils ont récupéré toutes les armes, les munitions, mais entre-temps, ils peuvent encore accuser les autres de tentatives à la sûreté intérieure de l'État où on trouve les armes chez les civils qu'on peut arrêter comme ça. Et aujourd'hui, on décrit d'ailleurs une demoiselle, malheureusement, qui croupit en prison. Oui, mais c'est soi-disant. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Pour un Congolais, c'est pas nouveau. Sassou Nguesso, moi, quand j'ai pris conscience que j'étais dans un pays en danger, c'était dans les années 80, où il y avait le procès de Kembesila. Kembesila qui cassait les pierres au Dieu où j'habitais. C'est un monsieur que je connaissais. On a mis un homme qui savait même pas parler français, qui savait même pas goupiller une grenade. Mais on l'a mis devant le peuple congolais qu'il voulait faire un coup d'état, qu'il avait posé une bombe à l'aéroport. Ça, c'est la méthode de M. Sassou Nguesso. À chaque fois, il fait diversion. Quand c'était au calme, quand le peuple commence à ruminer, il crée un événement où on arrête les gens, on les exhibe en disant qu'ils voulaient arrêter le processus démocratique du Congo Brazzaville. Ce qu'ils ont fait avec Okomi Salissa, ce qu'ils ont fait avec Moukoko, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de gens, ce qu'ils ont fait avec... Et comme disait, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait, mais finalement, ce sont les mêmes armes qu'on retrouve chez tous les accusés. C'est les mêmes motifs. Quand on veut divertir le peuple congolais, on arrête des gens, on fait croire au peuple congolais que... ils avaient des armes. Ils avaient des armes. Mais cette technique-là, elle est vieille comme le monde. Vous savez, quand en 2016, quand il s'est rendu compte que les gens avaient voté Moukoko et Parfait Koléda, il a créé une guerre dans le poule. C'est pour faire diversion. La guerre qu'il a créée pour aller tuer les gens pour Ntoumi, c'était une diversion. Parce que quand le problème est profond, il faut créer un autre problème. Ça, c'est fait depuis longtemps. Les Israéliens le font, les Américains le font. Quand ils perdent des guerres en Amérique du Sud, ils créent un autre événement pour cacher le précédent. Il n'était pas voté. Il avait perdu les élections. Comment l'expliquer aux yeux du monde entier? Il fallait créer une guerre qui devait noyer les élections pour montrer, regardez, il y a une pagaille au commandant d'avoir calmé la pagaille et puis on mettra de l'ordre après. Ça, c'est une diversion. Pour les gens qui sont intellectuels, ils savent qu'il a fait exprès d'aller tuer les gens. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, disiez-vous, les casernes sont vides. Ils n'ont plus jamais... Regardez ces cadres. Ils sont vides et ces générations de militaires de 20 ans, 30 ans ne sont pas bien formés. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on appelle une nation. Mais à quoi servent donc les militaires au Congo lorsqu'on les voit en uniforme? La décoration alors? Non, décoration c'est mieux parce que quand on décore quelque chose, parfois ça paraît beau. Non, ils servent de zouaves, des gens qui vont. Moi quand je vois ça, je me dis.
des pauvres malheureux qui vont finir dans la misère totale à l'âge de 60 ans, 70 ans. Oui. Moi, je me demande comment ces gens-là passeront leur dernier moment sur Terre. Ça sera très difficile pour eux parce qu'il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau. J'imagine s'ils arriveront même à 50 ans quand ces jeunes gens qui s'engagent dans l'armée sans vouloir se former, sans vouloir avoir un esprit de révolte, sans rien. Des gens vides comme ça, je ne sais pas comment ils vont finir leur vie quand ils auront 50 ans, 60 ans, 70 ans. Oui, c'est pourquoi je vous dis au départ que ces gens-là n'aiment pas les Congolais. Parce que quand on aime les gens, on les éduque, on leur donne un avenir, on leur propose plusieurs options pour leur vie. Parce qu'en France, on peut voir quelqu'un qui évolue sans avoir passé à l'école. Il y a des gens que je connais ici en France, moi j'ai des amis français qui sont chefs d'entreprise, mais qui ne savent pas écrire une bonne phrase française. Ils ont été plombiers, ils ont créé leur entreprise et à la fin ils sont devenus des gens très riches. Mais le Congo n'a pas ces options. Au Congo, on est abruti dans l'armée, on évolue dans l'armée, on tue dans l'armée. Et voilà pourquoi le crime est facile au Congo-Brazzaville. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a arrêté une jeune fille qui est en prison depuis un an. Ça choque personne. Chancelia Mulunda, qui est détenue arbitrairement d'ailleurs, depuis plus d'une année, déjà 14 mois, je crois, maintenant. Ça choque personne. Et une fille qui était à l'université, une étudiante. À l'université, ouais. En master d'ailleurs. Donc, on est en train de briser une femme intellectuelle, on la brise, parce qu'en sortant de 2 ans, 3 ans de prison, elle ne sera plus la même. La prison au Congo, ce n'est pas comme les prisons européennes où on peut aller faire des cours et une bibliothèque, non. Là-bas, c'est la saleté, c'est les cafards, c'est les conditions humaines. Vous croyez que cette femme-là, quand elle sortira encore à un niveau intellectuel qu'elle avait quand elle rentre? Non. Donc, on tue même la connaissance au Congo Brazzaville. Et on est là assis, on boit, on danse, on nous sert de la musique obscène matin, midi et soir, on nous sert des rumbas à l'eau de rose qui nous brisent mentalement, qui font des hommes efféminés et des femmes prostituées. C'est ce qui est devenu la nation congolaise. On nous a inculqué une mentalité de fainéants. Et c'est fait exprès. C'est ce que je condamne. Alors donc, pour conclure, évidemment, pour conclure, Charlem Bindika, que doivent retenir les hommes en uniforme au Congo-Brazzaville? Quel est le message que vous souhaiterez leur passer? Le message que je passe à mes amis à mes frères c'est qu'on vit qu'une seule fois. On est là pour laisser un nom, on est là pour laisser une progéniture, on est là pour laisser un pays intact, on est là pour laisser une nation. On ne reviendra plus sur Terre quand on passera. Ce qui restera, c'est ce que nous avons fait pour notre pays. C'est le nom qui restera. Mais généralement, le nom qui reste, c'est le nom de celui qui a fait grand-chose, pas celui qui a été abruti, qui passe encore le débat. Le Congo est indivisible. Le Congo, c'est notre nation à tous. Il n'y a aucun Congolais qui est plus grand que l'autre. La nation doit exister, l'État doit être fort, démocratique et transparent. La liberté, il faut aller la chercher. Nous devons lutter pour la liberté, la transparence et la protection de nos terres, de notre nation, tout entière. Si on ne le fait pas, nous condamnons nos enfants, nous condamnons nos arrière-petits-enfants à l'esclavage. Alors, c'est à vous de voir si nous allons continuer à danser, à boire, à se saouler ou à lutter pour un état de droit, un état de transparence. Il faut que Moukoko, les aides doivent se réunir pour que Moukoko sorte de prison. La place de Moukoko n'est pas en prison. La place de Moukoko, c'est la nation congolaise. La place de Moukoko, c'est la liberté. En tant que AET, il faut que nous luttons pour que Moukoko sorte de prison, que le processus démocratique reprenne le chemin au Congo-Brazzaville. Sinon, nous aurons trahi tout l'amour que la nation congolaise nous a donné, tous les biens que les Congolais nous ont donnés, pour nous les AET surtout, qui avons bénéficié de tout, de l'argent des contribuables congolais, nous serons une honte et nous serons une malédiction pour ce pays-là. Les gens qui viendront après M. Sassou Nguesso, si c'est des gens méchants, ils vont fermer cette école. Parce que cette école-là a trahi la nation congolaise. Et nous devons lutter pour que nous puissions redorer ce blason. Ça ne dépend que des AET. Dans tous les coins où ils sont, qu'ils soient médecins, qu'ils soient policiers, gendarmes, militaires, ils doivent se ressaisir pour dire stop à ce régime. Sinon, je pense que le Congo, si nous ne faisons pas ça maintenant, si nous perdons encore le temps, le Congo sera un lieu
de perversion totale. En tout cas, merci beaucoup, Charlem Bindika. Je rappelle que vous êtes un ancien enfant de troupe, promotion Paul Sita, matricule 2-21-01. En tout cas, merci de vous être prêté à nos questions, mais surtout d'avoir fait de votre disponibilité. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci. Merci d'avoir consacré votre temps si précieux à nous suivre. Et comme d'habitude, je ne cesserai de vous le rappeler, likez, partagez. Alors, si vous nous avez rejoints pour la première fois sur TélérTV, c'est de vous abonner pour ne rien manquer à des programmes TélérTV. On se retrouve donc la prochaine fois, mais bien avant, je vous souhaiterai de passer une excellente soirée. Merci.